Ça peut être une version orale ou en présence en quelque sorte du livre. Et ça peut être aussi quelque chose complètement autre chose, pas du tout livre, quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Et c'est aussi ce que cherche la littérature, nommer, comment nommer la manière de dire. Et hors du livre, c'est différent de cette intimité choisie de lire. Il faut l'attention et la dextérité avec le vivant, le dehors, pour faire. Car si le livre, c'est pas le passeur, il faut inventer ces médiums. Et il faut faire avec les conditions qui sont partout. Des fois, c'est hyper plein de gens et de sons, et ça bouge. Des fois, on décide, c'est le surgissement qu'on applique, on remplace la musique d'ascenseur, ou on envoie des SMS, par exemple. Ça surgit, c'est inopiné. J'aime ce mot. Parfois, ça oblige à voir autour de soi la matière, autour. Parfois, c'est le hasard, ou c'est plus ou moins contrôlé comme des vidéos par exemple. En tout cas, ça s'adresse à d'autres parties du cerveau, c'est d'autres matières employées qui sentent différemment, genre le sapin ou la cavité buccale. Ainsi, c'est un peu un labyrinthe, des fois peuvent être partout les mots, c'est la pensée, c'est les sensations, c'est bien ce qu'on veut, on sait jamais assez, c'est la soif et c'est la recherche de son lien au monde. Si tu cherches plus, t'as perdu. Et d'ailleurs, ici, tu peux jouer avec le temps, on peut faire la typographie avec le temps et la voix et les images, les corps, les objets, faire parler les choses, même les animaux, truquer la réalité et faire des essais de métaphores. On peut utiliser des métaphores à l'infini si on veut et on n'a pas à attendre des plombes d'être édité en se rongeant les ongles parce qu'on vous a dit à bientôt, mais qu'il est déjà tard pour vous, si tard pour vous, qui vous êtes massacré les cheveux à coups de ciseaux et de sabots entre temps par exemple, ou juste vous avez eu le temps de tomber enceinte ou de choper la gastro, vous ne savez pas encore bien, mais vous êtes ailleurs maintenant, vous êtes déjà en train de dire ou de lire ou de danser autrement.